Je suis tombé sur une énigme dans une grotte qui est assez spéciale que je vais vous présenter tout de suite. Alors ce genre de grotte, il y en a plusieurs dans le jeu. Là j'en ai trouvé une qui est juste ici, donc vraiment tout en haut de la map. Voilà. Et en fait cette énigme, il m'a fallu un petit peu de temps pour la comprendre parce que c'était pas forcément simple. Alors vous voyez ici, il y a des flèches. Dans toutes les grottes que vous tomberez avec des carrés comme ça, il y a un ordre de flèches et vous allez devoir compléter cet ordre. Donc là on peut voir que c'est haut, bas, haut. Là c'est haut, bas, haut. Bah là en fait c'est bas, haut, bas. En fait, tout simplement. Et le problème c'est que le bloc en fait, il m'indique la flèche du haut. Mais moi je voudrais la flèche du bas. Et c'est ça que je comprenais pas comment faire. Parce que j'ai utilisé Flipendo, j'ai essayé plein de choses. Mais à chaque fois que j'utilise Axio et que ça se transforme en Leviosa, eh ben le carré restait tout le temps flèche du haut. Donc ça, je ne comprenais pas comment faire jusqu'à un moment où je me suis dit, bah attends, je vais essayer de toucher mes flèches. Donc là, je touche à mes flèches de ma manette et regardez, j'arrive à tourner l'objet. Il m'a fallu un petit moment pour comprendre, mais ensuite, ben j'ai compris qu'il fallait tout simplement le renverser et mettre flèche du bas. Donc quand vous trouvez une énigme comme ça, bah vous jouez avec votre carré, vous essayez toutes les combinaisons possibles, hein, si vous n'avez pas compris le sens où il faut mettre la flèche, et vous allez bien finir par y arriver. Mais voilà, je voulais partager l'information parce que c'était pas forcément clair. Il faut absolument toucher vos flèches de votre manette pour faire une rotation de la flèche et le mettre dans le bon sens.